Bonjour, ici on est à la ferme du Pont des Loups à Saint-Aubin, dans la Vénois. On produit 16 fromages différents, donc bien évidemment le plus connu, le Maroilles AOP, donc fermier. Pour faire un bon fromage, il faut avant tout du bon lait, donc le lait ça se passe à la ferme. Ça commence avec la nourriture de nos vaches. Nos vaches sont nourries à 90% avec de l'aliment qui provient de notre ferme. Ça c'est primordial pour faire un lait de qualité. Tous les jours on va chercher notre lait à la ferme, on le ramène et on va le maturer. Une fois qu'il va être prêt, mûr on va dire, on va mettre la présure c'est ce qui va faire cailler le lait, et à partir de ce moment là on va commencer à avoir un gros gel de caillé comme un yaourt qu'on va découper en morceaux et puis ensuite qu'on va brasser pour égoutter, parce que le but final d'un fromage en fait c'est de faire partir l'eau du lait, et donc on va le mouler pour qu'il prenne sa forme. Une fois qu'il aura pris sa forme, on va le laisser toute une journée, on va le retourner et ensuite on va le saumurer. Une fois que toutes ces étapes sont réalisées, on va l'affiner, et ça l'affinage par exemple pour un maroilles c'est au minimum 35 jours. Alors au niveau de la fromagerie, il existe bien sûr plusieurs écoles en France. Les plus connues sont les Éniles, il y en a 4 ou 5 en France. Mais ensuite dans chaque région, comme ici nous dans la Vénois, au Quesnois, vous avez des écoles qui sont spécialisées dans la fromagerie. Le plus important quand on veut rentrer dans ce métier-là, c'est la passion avant tout. Toute l'équipe qui travaille ici, on est passionné par notre métier et on veut montrer aux clients sur place toutes les étapes de la fabrication.